Le vice-chancelier d'extrême droite autrichien Heinz Christian Strache démissionne. Une tentative de compromission en lien avec la Russie a été rendue publique. Dans une vidéo prise en caméra cachée, le leader du FPÖ explique à une femme se présentant comme la nièce d'un oligarque russe comment financer de manière occulte son parti et racheter un média du pays. Heinz Christian Strache a reconnu avoir fait une erreur. Un coup de tonnerre à une semaine des européennes concernant une des principales figures d'extrême droite du continent. Sébastien Kurz, le chancelier conservateur qui dirige l'Autriche dans une coalition avec l'extrême droite, a accepté cette démission.